Bonjour, mon nom est Gilles Poirier. C'est au printemps 2012 que la combinaison de nos deux passions, celle de la chasse aux cerfs de Virginie pour moi et celle de la vidéo, du montage et de la photo pour Alain Houle, résultait à la naissance d'Odocoïdus Productions. Face à une carence importante, la mission principale qu'on s'est donnée est de produire et de mettre en marché la première production de films réservée exclusivement aux cerfs de Virginie, composée d'équipes québécoises et canadiennes. Dans ce cadre, on s'est donné comme objectif de tenter de récolter des mâles d'âge au moins 3 ans et demi et à l'occasion de faire de la gestion de population en ne récoltant que des femelles ou des veaux. Bocadic devenait quelques semaines plus tard la production par laquelle le public allait pouvoir prendre connaissance des différentes aventures des équipes de chasseurs. Après une campagne de recrutement, cinq équipes décidaient de relever le défi de filmer leur chasse pour la saison 1 de Bocadic. En septembre, on réunissait toutes ces équipes afin de leur donner les grandes orientations de notre scénario ainsi qu'une formation vidéo. Le thème de cette première saison est le contact. On a demandé à tout le monde de tenter de démontrer la difficulté à minimalement avoir au moins un contact avec un mâle mature durant une saison et idéalement d'en récolter un sur caméra. C'est en septembre que les premières équipes ont commencé à chasser et ça s'est poursuivi jusqu'en janvier. Par contre, dès le début, un des membres des duos nous a fait savoir que pour des raisons personnelles, il devait quitter l'aventure, laissant malheureusement Jérôme seul. De plus, l'une des équipes, n'ayant obtenu aucun contact et aucune récolte, ne nous ont fait parvenir aucune image. Malgré les quelques difficultés rencontrées tout au cours de la saison, on peut vous assurer que l'expérience a été très enrichissante pour toute l'équipe de Bocadic. Nous sommes donc très fiers de vous présenter la saison 1 de Bocadic pour le contact. Sans plus tarder, dirigeons-nous au Québec, dans la belle région du Duhamel, rejoindre Mario et Jean du duo 325. Bon cinéma! Zone 10S, région de Duhamel. Dans la 10S, on est dans une zone où il y a à peu près le moins de chevreuils au kilomètre carré. Là. Depuis l'année 2008, où les gros hivers, là, il y a eu beaucoup de pertes dans le cheptel. On parle environ de 2,4 chevreuils au kilomètre carré, ce qui fait qu'on se retrouve dans une zone les moins fréquentées par le chevreuil. On est en territoire public. Qui dit territoire public dit grand espace, dit aussi beaucoup de chasseurs. Alors, quelle façon qu'on va s'y prendre? Bien, dans notre cas, nous autres, on fait une chasse à l'arbalète au mois de septembre. Chasse à l'arbalète au mois de septembre, bien, c'est qu'il y a moins de monde. Il y en a des chasseurs, mais c'est moins pire qu'au mois de novembre. La façon qu'on va procéder, bien, on a fait notre prospection. On essaye de localiser des places en premier lieu, où est-ce qu'il y a le moins de chasseurs, puis où est-ce qu'il y a possibilité de rencontrer des chevreuils. Après que ça a été fait sur la map topographique, bien, on a localisé nos spots visuellement. Puis à partir de là, on est au mois de septembre. Alors, on sait qu'au mois de septembre, les techniques de chasse, là, on ne peut pas passer la période du rut avec les grattages puis frottages. Certains bocs ont commencé, là, mais c'est minime. Alors, c'est s'orienter vers la nutrition, vers la bouffe pour le chevreuil. Mais ici, on est en pleine forêt. Là. J'ai pas de champ agricole. Territoire public, impossible de pratiquer des champs nourriciers. Si je ferais ça, je vais avoir trop de chasseurs alentour. Donc, on y va soit avec des bûchers, des montagnes de chêne. Mais qui dit bûcher, dit chemin, accessibilité, chasseur. Donc, je me dois d'éviter ça. Les montagnes de chêne, bien, par ici, c'est presque disparu avec les bûchers qu'il y a eu. Donc, je vais vérifier pour essayer de trouver des zones de transition. Puis à partir de là, bien oui, je vais commencer un empotage artificiel un peu pour localiser tous mes chevreuils que j'ai alentour, voir qu'est-ce qui est de disponible aussi en bas. Parce qu'on sait, hein, si on a 2,4 chevreuils au kilomètre carré, ben, donc le ratio mâle-femelle est débalancé. Il y a de moins en moins de bocs matures. Sauf qu'on vise quand même une récolte d'un chevreuil mature. Puis à partir de là, ben, avec les caméras de surveillance qu'on a installées, là, nos spike points dans différents sites qu'on trouve qu'il y a du potentiel, ben, là, on va être en mesure de prendre une décision sur qu'est-ce qu'on peut récolter. Alors, on s'enligne pour ça, puis Bocadic 1, c'est parti. Notre dernier setup, on vient de l'effectuer, on vient de le faire, c'est notre dernier stand. On a des endroits là, qui jouent à peu près entre 8 et 10 km chaque spot. Pour faire sûr qu'on ne chasse pas le même chevreuil, là, qu'on a de la possibilité de trouver des bocs différents.
Chaque setup, qu'est-ce qu'on a fait? Il faut tenir compte de la direction des vents. On n'a pas le choix. Fait que moi, c'est les vents dominants, donc j'ai toujours placé mon stand par rapport à l'endroit que je voulais faire l'affût avec mes vents dominants de l'ouest-nord-ouest. Le seul temps que je pourrais pas chasser, c'est avec un vent de sud ou un vent de l'est. Donc là, je pourrais m'en aller avec une cache au sol pour couper un sentier qui s'en vient à mon poste d'affût. On est à une semaine de l'ouverture, tout est terminé. Donc là, ce qu'on fait, on consulte nos spy points, s'assurer qu'à l'ouverture, on va faire le choix du bon site. Puis on se croise les doigts là, qu'il y ait quelque chose de beau. Dernière fois qu'on va faire le tour de nos sites, là, c'est à partir de là qu'on va décider à quel spot demain matin on va chasser. Pluie, temps de canard, pas de chasse au chevreuil. Mais c'est pas grave, on se prépare et on sait que le gibier bouge pareil. Fait que dans une heure d'ici, deux heures, là, les spots vont être faits, puis là, on va prendre une décision. Avec mes trois sites, dans mon cas, à moi, Jean, lui, il y en a deux. Il y a des petits bocs qui roulent sur son côté. Là, il y en a un qui peut être potentiellement pas pire, là, un 3,5. Mais moi, malgré tous mes trois sites, tout l'ouvrage que j'ai mis là, en pleine forêt, j'ai un boc qui est super beau. Donc, ça part pour demain matin. On s'en va à la chasse à ce boc-là, c'est le seul que j'ai dans le coin. Puis en espérant qu'il ne se fasse pas tuer par des gens qui sont alentour parce que la pression de chasse est partie. Alors, à demain matin. OK, on est le matin de l'ouverture. Un matin, je m'en vais à mon spot numéro 2 où il y avait le plus de bocs qui se promenaient. Là, surtout, on sait qu'il y en a un 3,5. Il annonce de la pluie encore aujourd'hui. C'est quand même un beau matin. Donc, 5h30 du matin, puis on s'en va là. Ça a été long, ça, pas de bon sens. C'est pas le gros que j'ai parlé hier, là, mais. C'était nouveau, là. Wow. OK, on attend un peu, là, pas. On s'en va voir ça. On arrête pour asseoir, je l'ai pas trouvé. On a trouvé, par exemple, pas mal de sang. Mais là, il fait trop noir, là, puis. Je l'ai eu, ce chevreuil-là. J'ai même pas trouvé ma flèche là-dedans. J'ai tiré en long. C'était pas un super shot, là, ça. Je sais qu'il faut tirer ça de côté, mais il voulait pas se présenter. J'ai attendu 20 minutes. Fait que ma flèche est dedans, il y a du sang. Moi, je suis convaincu, là, cette nuit, ça va être frais, là. La viande, elle se perdra pas. Puis demain matin, bon âge du site, là, pour essayer de trouver ça. On va mal dormir cette nuit, là. Ben, on va essayer. J'ai très, très mal dormi, pour dire qu'ils ne m'ont pas dormi. Là. Mais hier soir, sur le téléviseur, j'ai regardé la séquence. Je l'ai très bien poigné, ce chevreuil-là. La flèche a complètement rentré dedans. Puis le chevreuil s'est écrasé. Comme j'ai dit hier, je l'ai entendu tomber. Fait qu'aujourd'hui, là, il fait clair. Il est 7 h le matin. Et là, j'ai quand même plusieurs heures devant moi là, pour retrouver ça. Là. Puis il faut qu'on trouve ça. C'est de valeur que Jérôme puis Mathieu sont... pas plus proche, j'aurais eu besoin de deux autres avec le chien de sang, mais on va se débrouiller autrement. Je suis revenu à la même place là, que hier quand on a cessé nos recherches. Là. Il faisait trop noir. Puis ça allait aider là, parce que c'était nuit là, avec le genre d'humidité, là, la sang, là. On le voit encore. Donc, hier, on a arrêté ici.
À partir de là, il y en a quand même pas beaucoup. Là. Bon, je vais essayer de continuer, voir si j'en trouverai pas d'autres. Ça y est. J'ai suivi le sentier, là, puis c'était pas ça pantoute. Il avait bifurqué, puis... OK. Je pense qu'on est sur le bon bord. On l'a. Ça y est, c'est fait. On a traîné ça sur à peu près un bon 800 pieds, certain. Ça a été toute une aventure. C'était 6 points. Moi, écoutez, c'est fantastique. Vous le savez, là, j'en avais presque pas. Là. Il y en avait vraiment un qui était plus gros que ça. Là. Puis lui, il reçoit là, d'un 3 ans et demi. Là, j'en ai pas ici de ça. C'est des spikes puis des mâles de 2 ans et demi. Alors, super beau buck. Fait vivre plein d'émotions. Hier à soir, pas une mauvaise nuit, là, mais je savais que je l'avais très bien pogné. Là. Alors, très bel animal, puis super content. Deuxième journée de chasse. À ma place, avec les photos, là, il n'y avait pas de. Ben, il y a des bugs différents, tout ça, là, mais je n'ai pas vu vraiment un gros à date. Là. Fait qu'un matin, on va aller dans le spot à Mario parce que. Il y en a un pas pire cet et tout. Là. Fait que on va essayer ça matin. Fait que on va aller se placer et voir ce que ça va donner aujourd'hui. Pas grand road. Moi, Mario, je pense que je t'ai pas fait rouiller, je vrai. C'est vrai que c'est pas bon avant. Fun de quand tu vois une action, tu vois rien. C'est sagesse. C'est le fun, tu peux tout putain, on est. Mais, on a vu qu'un bac, un quoi. Peut-être un spike ou un 4, là. Hein? Maximum. Mais pas grand-chose, vraiment, là. Pas grand-chose. Tout vendable, hein? Ouais, pas. Non, c'est pas l'Ouest canadien, ça c'est sûr. Notre première section de chasse est complétée. C'était notre chasse en territoire public à Duhamel, dans l'Outaouais, la 10S. Très satisfait de notre chasse. On a travaillé fort tout au long du printemps, de l'été. Ça a été très bien parce qu'on a récolté dès l'ouverture. Quand même satisfait à 50% pour le duo 325 parce que Jean, de son côté, lui, ça a été le contraire, ça n'a pas bien été du tout. Tellement pas bien qu'on n'a même pas de séquence avec des femelles puis des veaux. Tellement que les chevreuils ont changé leurs habitudes puis qu'on n'en a pas beaucoup. Cette année, la pression de chasse est déjà énorme et est encore plus que les autres années. Le chevreuil a changé ses habitudes puis pour nous, ça a été très, très difficile pour les journées de chasse qu'on avait. Une chose qui je suis vraiment désappointé, c'est que vous avez vu pendant le tournage, quand j'ai récolté, les images sont très sombres. Oui, c'est tard, c'est à 18h30 que j'ai tiré, 18h27. Sauf que pendant la journée, il y a une fonction sur ma caméra, une fonction de fil qui est enclenchée. Je ne sais pas, c'est quand on l'a sorti du sac. Pendant l'après-midi, on s'en est pas rendu compte parce qu'il faisait clair, donc les images étaient belles quand j'ai vu le petit boc, là. Mais le soir, quand c'est apparu à 18h, fin de la journée, pour nous, c'était très sombre parce que je suis dans une swank. Sur la caméra, on n'a pas réalisé là, que la fonction fil est enclenchée. C'est seulement que le soir, quand j'ai revisionné, parce qu'on a retrouvé le chevreuil seulement que le lendemain, que je me suis aperçu que le bouton était là. Fait que ça, je suis déçu parce que les images auraient été vraiment, vraiment super. Mais qu'est-ce que vous voulez? Ça fait partie du tournage. Puis avec la chasse, bien, vous le savez, on ne peut pas faire dire prise 2, prise 3. C'est une prise. Celle-là a été loupée un peu. Donc là, nous, ici, c'est complété. On s'enligne pour une chasse en Ontario au mois de novembre. Dans le nord de l'Ontario, on sait qu'il y a du gros chevreuil là. Il y a eu des super gros bucks de tuer. Là, je vous garantis que la fonction fil ne sera pas enclenchée, puis on va avoir des très belles images. On peut dire un gros bravo au duo 325 pour avoir accompli 50% de leur mission. Maintenant, accompagné de mon fils Carl, qui possède peu d'expérience au niveau de la chasse au chevreuil, le duo de sang tentera une première expérience également au Québec, dans la zone 8 Nord. La chasse et la préparation de la chasse au Québec pour le duo de sang s'est effectuée dans la zone 8 Nord, à proximité de nos domiciles.
c'est-à-dire dans un secteur agricole où la saison précédente, j'avais pu observer qu'un seul chevreuil mâle et où le manque flagrant de la présence de cygnes m'obligeait à baisser mes critères, c'est-à-dire que si l'occasion se présentait, de ne récolter qu'un mâle d'au moins 2 ans et demi. Ce que j'ai finalement réussi à faire à ma dernière journée de chasse à la Poudre Noire. Malgré le fait que j'avais décidé de ne plus retourner dans ce secteur, comme le secteur contenait un air de confinement, en décembre, je décidais d'aller placer quelques balles de luzerne en face des spy points pour voir les mâles qui auraient pu passer au travers de la pression de chasse. Wow, quelle surprise d'apercevoir sur mes spy points au moins 7 mâles différents, dont certains d'excellente qualité. Étant donné le nombre et la qualité des mâles détectés en référence à ce que j'avais pu apercevoir en période de chasse, je concluais que ces mâles devaient avoir des habitudes plutôt nocturnes pour réussir à passer au travers de cette saison de chasse. J'ai donc décidé de tenter encore ma chance sur ce territoire la saison prochaine. Pour des raisons personnelles, j'ai dû commencer la prospection d'avant-saison tardivement. En famille et avec l'aide des excellentes machines de BRP, on a commencé à arpenter la totalité du secteur afin de localiser les signes les plus probants de la présence de chevreuils. Ultérieurement, la préparation des sites de chasse s'est exécutée sur le terrain. Deux choses importantes aujourd'hui qu'on fait. On fait la relève de nos caméras, on installe des miradors. Il faut profiter d'une journée comme aujourd'hui où il pleut. C'est pas agréable de travailler dans des conditions pareilles, mais c'est idéal au niveau senteur. On laisse le moins possible de senteurs. Les senteurs qu'on va laisser, bon, ils vont disparaître plus rapidement. Première chose. Deuxième chose, à l'arrêt de moi, j'ai un beau champ de soya. C'est un champ qui a été probablement planté tard, où il n'y a pas des conditions d'ensoleillement idéales. Il est encore relativement vert, contrairement à beaucoup d'autres champs qui deviennent jaunes. C'est un champ qui va laisser un bon moment. Fait qu'on va en profiter au maximum. Le chevreuil est en plein dedans. Fait qu'il va être récolté plus tard. Fait que c'est un bon... On a un éradage aussi. Fait que juste à l'arrière, dans un entonnoir, il y a un cours d'eau, il y a une swamp, champ de soya. Fait que c'est vraiment idéal. À suivre. Finalement, dès la fin septembre, on a enfin commencé à chasser de façon intensive. C'est-à-dire le plus souvent possible lorsque le vent le permettait et selon les images que nos spy points nous transmettaient.
Comme il s'agit d'une première expérience avec une arme à flèche pour Carl, nous avons déjà décidé qu'il pouvait récolter un buck de 2 ans et demi. Alors, on comprend bien qu'aussitôt qu'il aura un mâle qui s'approchera de lui, qui sera bien placé de côté, il devrait effectuer un tir. Finalement, les 3 bucks décident de quitter l'appâtage en même temps. Le meilleur moment sera lorsqu'il en passera un devant notre fenêtre en face de nous. Vas-y. Oui. Pour la suite, on a dû attendre plus de 5 jours de chasse avant d'avoir à nouveau de l'action. C'est finalement à mon tour de chasser et au tour de Carl de filmer. La stratégie que nous établissons, s'il se présente un buck de 2 ans et demi, je lui passe l'arbalète et je m'occupe de filmer grâce à ma petite caméra que j'ai installée à côté de moi. Par contre, tout se passe pas comme prévu. À la dernière minute, le fameux buck de 2 ans et demi se présente à quelques pieds de notre arbre. Carl n'a pas le temps de capter le mouvement du chevreuil. Puis lui a le temps de capter, par contre, il est capté par le mouvement de l'arbalète que je passe à Carl, fait qu'il s'enfuit immédiatement. Il est en route encore une fois pour une autre tentative. On a un vent du sud-ouest, favorable à un cuisson en particulier, ça fait qu'on s'en va l'essayer. C'est de mieux en mieux, je pense que nos chances, là, le meilleur est à venir. Gardez espoir, ça fait
pas eu tellement d'action à date. Au début, oui, mais après ça, ça s'est calmé. Au début, on a laissé passer. Ça fait que, à ce soir, c'est Carl qui chasse. Il va être filmé. Mais on a bon espoir. Là, il nous reste une semaine pratiquement à chasser. On va donner un grand coup le week-end prochain. Sinon, bien, on se retrouvera probablement à Carabine dans un autre secteur ou à Poudre Noire dans un autre secteur. On se voit plus tard. Salut. Non, c'est la première année que je m'investis autant au niveau de la chasse. Là. Puis je tripe vraiment bien gros. Là. C'est, honnêtement, là, c'est... quand mon père, dans les dernières années, me parlait de passion, puis des fois, j'avais de la misère peut-être à comprendre un petit peu de qu'est-ce qu'il voulait dire par ça. Là. Mais j'ai commencé à comprendre tranquillement. Ça commence à m'envahir. T'sais. En train de vérifier notre récolte de caméra SpyPoint. On est en train de checker, voir si le gros box est présenté. Le box de rêve. Donc, on a du vidéo en masse, c'est sûr qu'il y a eu de l'action. Mais encore, est-ce que c'est pertinent? C'est ce qu'on va savoir dans quelques instants. Encore, ils sont toujours là, hein? Ouais. Si. On est en direction de notre Twisted. C'est le dernier soir de la saison arc et arbalète dans la zone 8 Nord. Un peu déçu là, que ça. J'aimerais bien ça que les gestionnaires de la faune du Québec aient une meilleure vision concernant la gestion du cerf de Virginie. Ça devrait être une. C'est la zone 8, c'est la zone la plus grande en population, pas de chevreuil, mais humaine. Ça fait qu'on devrait adapter des saisons particulières. Dans mon livre à moi, donc on devrait, la 8 Nord, du moins, dans la grande région de Montréal, ça devrait être une zone réservée à l'arc et à l'arbalète, tout le temps. Donc une beau zone exclusive. Évidemment, là, ça va tomber, le poudre noir dans deux semaines, ça fait que les chevreuils vont tomber. Ils sont fragiles, ils sont à merci des populations locales, des cultures. Ça fait qu'on devrait leur laisser une chance un petit peu d'être plus sélectifs.